Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ces périodes de fête, je vous propose de faire un pull de Noël. Nous allons faire un petit renne. Donc pour cela, il nous faudra bien sûr un pull assez épais, un pull de Noël. Pour le corps, il me faudra du tissu marron, bien sûr. Il me faudra du tissu rouge, faire le petit bonnet et le nez. Et j'ai aussi du blanc, toujours chiné aux Emmaüs, et qui sera parfait pour faire tout ce qui est moutmout de Noël. 2 euros, voilà. La première étape, c'est de faire un dessin. Une fois qu'on a fait notre petit dessin, on va faire un patron de haricot, en fait. Pour le corps, le haricot, je trouve que c'est la forme qui sera pas mal. Le corps, la tête. La tête, c'est aussi un ovale. Voilà la tête. Il faudra penser bien sûr à faire la petite queue et le nez. On va reproduire maintenant toutes ces pièces sur notre tissu. Une petite épingle. Monsieur Épingle reprend des services. Une fois qu'on a positionné tout sur le pull, on coud ou on colle? Moi, je pense que peut-être un peu les deux, enfin bref, je vais déjà coller. Colle à textile, bien sûr, et on va coller tous nos éléments, tout simplement. Il est chouette, non? Mais il manque quelque chose! Des petites cornes. Ben oui, un renne, t'as des cornes. Alors, comme toujours, hein, je prends mes chutes. Je me dis, ah, c'est pas mal ça, mais bon, faut que je les cache. Et puis voilà, je vais faire des petites cornes. Alors, moi, je ne prends pas. Vous l'aurez compris, deux patrons. Je me dis que je vais en faire une là. Et je coupe. J'utilise en fait la découpe primaire que j'ai et qui m'inspire. Je pense qu'il est important de ne pas prendre de modèle et de laisser court à son imagination. Ça fait du bien à la tête et on en a tous. À force d'être assisté comme ça partout, ben on ne sait plus faire les choses. D'ailleurs, c'est un peu le principe de ma chaîne, vous l'aurez compris. Je vous montre toujours des idées et j'aime après que vous les réalisiez à votre façon. Et c'est pas compliqué. Et franchement, pas mal. Reste qu'à coller. Tout simplement. On y ajoutera bien sûr ensuite, vous voyez, par exemple, là j'ai mes petits pompons que j'ai ajoutés. Voilà, ce que vous avez à la maison, vous l'ajoutez sur votre pull, en déco. Tu l'as compris? Je te donne les idées. D'ailleurs, regarde un peu les autres pulls que j'ai fait. Là, je peux pas vous les montrer en direct parce qu'ils sont déjà partis, ils les ont déjà adorés. D'ailleurs, je fais un gros bisou à mon fils que vous connaissez, Silk122. Tiens, on pourrait lui faire le challenge. Fais une vidéo avec le pull que ta mère t'a fait. T'as compris mon fils, hein, si tu vois cette vidéo, le message est pour toi. Fais une vidéo avec le pull que ta maman t'a fait. À ma belle-fille Sabrina, que j'aime beaucoup. À ma fille, pour qui ce pull est fait. Et bien sûr, je prends beaucoup, beaucoup de soin à le faire, puisqu'il est pour ma chère fille, à Samy. Et je fais aussi un énorme coucou à Jean et Jamila. Vous aussi, c'est promis. Mais chut, c'est un secret à ne pas dévoiler. On ne dévoile pas nos secrets. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo tendance. On va encore faire des trucs sympas pour Noël.